On est dans les temps. On prend du plaisir. On a le guacamole et saumon fumé par nos soins et le melon rosaille myrtille et son canard séché maison. Et après, nous aurons du foie gras et son chutney de figues, des Saint-Jacques et gambasse flambées au whisky. Et ensuite, en plat chaud, nous aurons du brome à l'ortie avec ses palourdes gratinées. Une noix de Saint-Jacques. Saint-Jacques. C'est magnifique. Une autre. Allez, une autre, s'il vous plaît. Merci. Un solet mio de veau farci au foie gras et au morillon. Pour finir, on aura le plateau de fromage dans sa prairie et l'explosion des amoureux, c'est la farandole de dessert. C'est une trilogie de verrines. On a une mousse maracuya, c'est une mousse aux fruits de la passion sur un riz au lait. Une autre, c'est une crème brûlée à la pistache avec une mousse aux fruits des bois. Et pour finir, un panna cotta au lait d'amande. La deuxième spécificité de notre activité, c'est donc la partie traiteur. Partie traiteur, aujourd'hui nous sommes à une quarantaine de kilomètres de la maison. Nous faisons un buffet pour une soixantaine de personnes. Donc c'est un buffet extérieur, bien sûr qui est labellisé bio. Le client a utilisé notre licence pour pouvoir communiquer auprès de ses invités que son buffet était labellisé bio. Donc la spécificité de notre activité traiteur est que bien sûr nous avons une clientèle qui est exigeante, qui nous demande de travailler avec des produits locaux. C'est ce qui fait l'originalité de notre concept. Tous les produits qui vont être servis aujourd'hui ont été produits localement. Nous avons géré le buffet de A à Z, en passant par la décoration, la location de la vaisselle, toute la décoration des buffets, la décoration du lieu a été gérée par le personnel des saveurs de l'escale. Donc le client, aujourd'hui, est un client privé, mais nous pouvons travailler sur de l'événementiel, nous pouvons travailler sur des institutionnels, nous avons travaillé pour la région, les départements, les mairies, les communions, les mariages, nous nous adaptons à tous les budgets. Le client nous donne un budget, en fonction du budget, on lui offre en face une prestation, on arrive à se mettre d'accord, on signe un devis et la prestation est exécutée. Là, nous avons la chance aujourd'hui d'être en septembre, le temps est magnifique, nous sommes sur une prestation extérieure, nous sommes vraiment très chanceux de ce côté-là et j'espère que la prestation va très bien se passer. Pour cette prestation, nous avons fourni donc la totalité de ce que vous voyez, c'est-à-dire que nous avons loué les tables, les chaises, les assiettes, les couverts, les verres, les serviettes. Les bouquets de fleurs, pareil, ont été faits par un fleuriste de notre village, qui est à Saint-André-Saint-Gonis. Le magasin s'appelle Histoire de fleurs. Le thème aujourd'hui du buffet, c'était un thème sur les 50 ans de mariage donc, de notre client. Donc nous avons travaillé sur la couleur or, bien sûr, et blanc. Et tout le buffet va être basé sur cette couleur-là jusqu'au dessert, qui seront forcément, bien sûr, or et blanc. Un cocktail à base d'alcool, de thym, et un cocktail à base uniquement de jus de fruits que l'on trouve dans l'Aveyron. Voilà. Pour m'accompagner dans cette prestation, Sébastien en cuisine, notre chef, nous a tout préparé. La chef du buffet aujourd'hui, c'est Florentine, notre seconde cuisine, qui sera accompagnée en aide de Aurélie Guilliane. Moi, bien sûr, je ne vais faire que superviser tout cela. À leur sourire, on voit que les gens sont très contents.